Après sa contre-attaque télévisée, Nicolas Sarkozy ne semble pas avoir reconquis les Français. 65% ne souhaitent pas que l'ancien chef d'État se présente à la présidentielle de 2017. Et il a un point faible, ce sont évidemment les sympathisants de gauche, mais aussi les sympathisants centristes du Modem et même de l'UDI qui le rejettent très largement et qui n'ont pas du tout envie qu'il se présente à l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy peut en revanche se consoler avec les sympathisants de l'UMP qui plébiscitent sa candidature à 78%. Si c'était l'objectif de sa prestation télévisée, c'est réussi. C'est-à-dire qu'il a réussi à être très convaincant pour cette population des sympathisants UMP qui est tout à fait choquée, qui se dit choquée par la façon dont Nicolas Sarkozy est traité par la justice. Il considère très largement que c'est une affaire politique. Toujours selon ce sondage BVA pour iTélé, 57% des Français estiment que l'UMP aurait tort de le choisir en raison des affaires. Mais malgré tout, malgré les affaires, 70% des Français pensent que Nicolas Sarkozy va y aller en 2017. Nicolas Sarkozy qui a annoncé lors de son interview mercredi qu'il aborderait publiquement son avenir fin août ou début septembre.